Alors, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'apprêtes sûrement à être passager moto ou alors à avoir un passager. Dans les deux cas, tu es au bon endroit. Premièrement, être passager en moto, c'est pas de tout repos. Pourquoi ? C'est pas comme en voiture où tu peux rester là, manger, dormir, tu fais ce que tu veux. En moto, vaut mieux éviter. Pour commencer, le placement... Ouais, casse-toi. Pour commencer, le placement sur la moto. Alors, où se mettre ? C'est pas ici, c'est pas là. Ben voilà, t'as réussi. Si t'as de la chance, t'as comme moi une moto où t'as une selle séparée. Donc tu te mets forcément sur la selle passager. Si tu as un super mode que t'as une selle pour deux, va falloir te mettre le plus en arrière possible. Pas sur le carénage non plus, mais pas trop en avant. C'est-à-dire qu'il faut pas gêner le pilote. Une fois que tu es bien assis, il va falloir très bien te tenir la moto. Pourquoi ? Parce que sinon, bah, tu risques de tomber. Donc il faut enlacer le pilote avec tes mains. Et aussi bien te tenir avec les jambes, c'est-à-dire bien serrer la moto. Et jamais lâcher le pilote. Pourquoi ? S'il accélère, tu tombes. Une fois que tu sais te tenir à la moto, bah, il va falloir forcément freiner. Pourquoi ? Parce que la moto, tu vas accélérer fort. À un moment, il faut bien arrêter la moto. Si quand le pilote y freine, tu ne fais rien, c'est la merde. Donc tu vas venir mettre tes mains sous le réservoir. Pourquoi ? Comme ça, ça va t'éviter de rentrer dans le pilote. Toi, tu vas forcer sur le réservoir. Et comme ça, parce que quand tu mets tes mains sur le réservoir, tu serres ta queue sur la moto. Pourquoi ? Parce que si tes mains glissent, tu as l'air d'un con. Je sais. Ouais. Donc, serre les jambes, tu mets les mains sur le réservoir. Comme ça, le pilote, il freine, tu ne te déranges pas. Si tu te déranges le pilote, c'est chiant. Quand tu sais freiner, forcément, il y a quoi ? Il y a les virages. Et oui, parce qu'en général, tu freines avant le virage, tu freines après. Et alors, ravin. Qu'est-ce que tu fais? En virage, c'est pareil. En fait, à chaque fois qu'on a une action sur la moto, ben, même si t'es passager, tu dois agir. Enfin, tu restes pas là à rien foutre, hein, c'est comme ça. Donc, le virage, toi, tu vas devoir regarder. Par exemple, là, j'y vais à droite. Tu vas te décaler et regarder à droite. Tu te décales pas trop non plus. Hein. Si tu tombes, c'est pas top. Le mieux, c'est de rester sur la moto. Donc, tu te décales, tu regardes à droite dans un virage, à droite. Pourquoi? La moto va où le pilote regarde. Mais s'il y a le passager qui regarde de l'autre côté ou qui même il regarde à droite, mais par la gauche, non. Ça déséquilibre la moto. Donc, à droite. Quand t'as un virage à gauche, tu regardes. Ah non, pas à droite. Il est con ! À gauche ! À gauche, à gauche, à droite, voilà, c'est comme ça. De toute façon, t'as les preuves en image en même temps que je le dis. Maintenant, tu as les bases pour être passager. Une voiture, faut vite terminer. Maintenant que tu as les bases, tu montes derrière ma selle et tu vas voir, je vais te vendre du rêve. Merci beaucoup.